Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Joanna Górska, je viens de Pologne, de Varsovie. Je travaille avec Jerzy Skaku dans un studio qui s'appelle Homework, qu'on a fondé il y a 10 ans. Qu'est-ce que je fais? Je suis une graphiste. Je m'occupe de l'affiche, beaucoup de l'affiche. Je fais l'identité visuelle d'événements culturels qui se passent en Pologne. D'accord. Que penses-tu de ton expérience à Intuit Lab cette semaine? À vrai dire, c'était ma première fois quand je faisais workshop parce que j'ai jamais appris. Parce que je ne faisais pas de. Je n'ai pas encore enseigné. Donc pour moi, c'était ma première fois et j'avais peur de comment ça va se passer et tout. Mais je suis très contente parce que en fait, j'ai essayé de faire ça à la même manière que je t'ai appris en Pologne. Et ça marchait. Les gens font belles affiches et je suis contente. Très bien. Quelle est la différence majeure, selon toi, entre le graphisme en Pologne et le graphisme en France? C'est très difficile à dire parce que je ne trouve pas très grande différence. Ça dépend de quel. Par exemple, dans le niveau de l'affiche, je ne trouve pas qu'il y a la grande différence. Mais c'est vrai que la Pologne, en général, dans la culture visuelle, elle n'est pas tellement élevée que la France. Donc c'est ça. Je trouve que c'est la différence entre les deux pays. Chez nous, c'est par rapport aux choses qu'on voit dans la rue, dans les librairies, dans partout, c'est pas tellement élevé qu'ici. As-tu découvert quelque chose d'intéressant cette semaine dans Paris? Après, je passais cette semaine l'après-midi pour visiter les gens que je connais depuis. Parce que je passais une année des études ici à Paris, donc j'ai pas mal d'amis. Et je visitais les gens et c'était ça cette semaine, c'est la joie de rencontres, c'est ça. Très bien, je te remercie. Merci.